Je vais vous parler d'un petit titre Soy Luna que vous pouvez retrouver à Tati. J'espère que cette vidéo va vous plaire sur son roman. Tout de suite. Si tu aimes cette vidéo, tu peux la liker, la commenter, la partager et t'abonner. Ça me ferait très plaisir. Bisous. Alors déjà, la boîte se présente comme ça, mais elle est magnifique. Donc ici, on a des bordures. Donc à l'intérieur, on avait un truc pour que ça contienne. Mais je l'ai enlevé. Bon, c'est très dur à enlever. Les gels douche, la crème et le shampoing. Parce qu'en fait, ils sont collés avec une espèce de colle sur le truc. Donc... on verra ça après. Donc du coup, voilà, c'est magnifique le haut. Voilà, c'est comme ça en fait. Si on veut resserrer, bah, on resserre quoi. Hein. On prend et puis on serre et voilà. En fait, c'est vraiment magnifique. C'est fait un espèce de... quand c'est fermé, ça fait un espèce de truc comme ça. Voilà, avec un petit nœud ici, tout mignon. Donc voilà, donc du coup, maintenant, on va montrer ce qu'il y a dedans. C'est quand même le plus important. Il y a quatre choses. Alors, en premier, on a cette mousse de bain. Moi j'en avais déjà une, mais je pense que du coup je vais prendre celle-là maintenant parce que voilà. Donc j'alternerai, je pense cette semaine je prends celle-là et cette semaine je prends celle-là. Donc voilà, elle est magnifique, elle est un peu violette. Voilà, violette et blanche. En fait elle sent le plastique, mais elle a aussi une autre odeur qui sent très très bon et donc voilà, c'est assez sympa. Donc voilà, voici les produits. Donc, je vous avais présenté un à un. Donc, en premier, celui-là, c'est le gel de bain. Donc, le gel douche. Donc, voilà, il est vraiment sympa. Donc, vous voyez, ici, on a la colle sur le côté. Et, donc, voilà. Mais, donc, du coup, ça sent... ah, je l'ai pas encore utilisé. Je pense que je vais laisser tomber pour l'instant mon gel douche. Je suis en cours. Et là, je vais prendre les trois. Parce que quand j'aurai fini mon shampoing, je prendrai vraiment... les trois, non, peut-être pas la louche. Si je vais faire, si, tous les trois, je mettrai, je me... voilà. Je me shampoinerai, je me doucherai, voilà, avec les trucs Soy Luna. Donc voilà, ils sont vraiment très bons, c'est assez fleuri, je trouve. Donc, ouais, la senteur est, pour moi, oh, non, je l'ai fait dépasser. Pour moi, la senteur est assez fleurie et ça sent vraiment trop trop bon. Donc devant, à chaque fois, on avait un petit cache, donc je l'ai enlevé. Ensuite, on va parler du shampoing. Il est cool en fait, donc quoi, faut les ouvrir comme ça. Ouais, ça sent vraiment très bon, c'est très fleuri, c'est très délicat, très très bien. Voilà la colle que je disais. Ouais, ouvrez-les bien comme ceci, sinon ça va couler, vous allez en mettre pas. Ouais, c'est vraiment très fleuri, ça sent vraiment très très bon. Et ça, vous pouvez le retrouver à Tati pour le prix de 13€, donc 12,99€. Donc voilà, franchement, pour ce qui est, on a 500 ml. Non, on a 300 ml en tout. J'ai des conneries, mais on a 300 ml en tout. Donc 100 ml de chaque. Et donc voilà, franchement, plus notre petite mousse. Plus notre petite mousse et le packaging qui est vraiment assez sympa que vous pouvez garder. Moi je vais m'en servir pour faire une petite vidéo pour vous. Voilà. Et donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, que je vous parle un peu de ces produits, que je vous parle d'autres produits que donc ça on me l'a offert. On me l'a offert. Mais donc c'est ma mère qui me l'a offert. Mais voilà, si vous voulez que je parle d'autres produits, d'autres choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire que je teste des choses. N'hésitez pas à me le dire, je ferai tout ce que vous me demandez. Donc allez, bisous tout le monde et ciao! Ciao, pardon!